découverte parce que c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, c'est ma première vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne. Pourquoi j'ai débuté, enfin pourquoi je débute YouTube du coup, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai beaucoup de youtubeuses et ça m'a inspirée. J'ai découvert en moi un truc que je connaissais pas, le fait de parler à un objectif, ça me plaît. Donc je faisais des vidéos, je faisais genre vlogger ma journée et tout. Et je partageais sur ma page Facebook, mes stories et tout. Il y a plein qui me disaient, t'as pas de page YouTube, t'as le potentiel de faire youtubeuse et tout. Donc plusieurs années après, donc en 2019, je décide de me lancer sur YouTube. Donc je fais un petit aparté vite fait, donc un petit disclaimer quoi. Ceux qui savent pas ce que c'est un disclaimer, c'est une petite partie en fait qui n'a rien à voir avec la vidéo mais que tu expliques au début. Premièrement, j'ai pas le matériel sophistiqué, le matériel adapté pour tourner des vidéos YouTube parce que c'est le début. Je me dis ça sert à rien d'investir dans quelque chose parce qu'en fait faut savoir que le matériel il doit être cher. Donc ça sert à rien de mettre dans ça si après au final ça va me lasser. Moi ça va plutôt me lasser si après il y a personne en fait qui aime ce que je fais, tu vois. Voilà. Donc moi je me dis on commence avec mon téléphone, donc c'est un iPhone 7 Plus, donc je pense que la qualité ça va passer. Et je pense que même les plus grands youtubeurs aujourd'hui, ils ont quand même commencé avec leur téléphone. Donc je dis ça, je dis rien. Faut savoir un truc, bah du coup j'ai fait que 20 faits sur moi, j'aurais dû faire plus parce que j'avais encore plus de choses à vous dire. Mais là je vous dis au début maintenant donc. J'adore l'anglais, oui j'ai oublié de mettre ça dans mon numéro. J'adore l'anglais. L'anglais is my favorite language because I it's so fabulous. Un truc important. Je déteste mes oreilles. Donc mes oreilles, j'aurais aimé qu'elles soient invisibles quoi. Parce que pour faire des queues de cheval, j'aime pas quand mes oreilles sortent. Mais bon là aujourd'hui je tourne comme ça parce que j'ai tellement chaud que après je fais pas attention. On passe au sujet. Donc comme vous avez vu dans le titre, je suis toute excitée. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est 20 faits sur moi. Je m'appelle Mary Ho, c'est mon premier prénom. Mais mon deuxième prénom c'est Layla, donc le nom de ma chaîne. Et sur YouTube je vais faire qu'on m'appelle Layla. 2. J'ai 18 ans, je suis née le 3 novembre 2000. Dimanche c'est le 3 novembre, mademoiselle a 19 ans. Donc du coup je sais pas si je vais être contente parce que j'ai 19 ans ou si je vais triste parce que je m'approche de la vieillesse. 3. Je suis hétérosexuelle. 4. Je suis en couple, du coup avec un mec. Il s'appelle Sunny Ho. Et du coup ça va faire 2 ans le 25 novembre qu'on est ensemble. Numéro 5. On est parents. Donc je sens déjà les commentaires en mode ah mais t'es jeune et tout. Donc laissez tomber parce que je suis heureuse avec ma famille et que vos commentaires ne me toucheront pas. 6. J'ai arrêté l'école à 17 ans. Je préfère préciser que mon école je l'ai arrêtée au début de mon BTS. Parce que j'ai eu mon bac, c'était Arcu, un bac Arcu, genre en accueil relations clients usagers. Je l'ai eu avec mention assez bien et sans réviser. Donc oui les gars, ne révisez pas. Non je rigole, révisez mais moi j'ai pas révisé. C'est un bon rebondissement malgré le fait que j'ai eu un bébé, que j'ai arrêté l'école et tout. Dès que j'ai accouché, j'ai foncé pour chercher du travail et j'ai trouvé en plus un CDI. J'en suis reconnaissante, merci Seigneur. Et c'est au magasin à le loup à papeter. Parce que du coup, j'ai oublié de vous mentionner aussi mes origines. Je suis demi-thaïsienne et demi-coréenne. Donc j'habite à Tahiti. Et Papeete, c'est le centre-ville de Tahiti. 8. Alors, un peu plus sur ma personnalité. Je suis une fille franche. Je suis une fille impulsive. Donc peut-être que ça ne soit pas comme ça, mais je suis une fille impulsive. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens. Je pète un câble, je monte dans les tours, c'est fini, je crie. En plus, je crie. Donc c'est vraiment de la merde ce défaut, mais j'ai peur. 10. Je suis une fille fière. Une fille très fière. Des fois, je regrette, mais enfin, je peux rien. 11. J'ai jamais voyagé dans les grands pays. Donc la France, les États-Unis, mon pote, je ne connais pas. Mais j'aimerais bien. Enfin, j'ai juste voyagé dans la Polynésie française. Je suis allée à Bora Bora, Rurutu et Mauréa. J'ai fait que 3 îles. J'ai même pas fait toute la Polynésie, quoi. Donc, 12. Pardon. Destination de rêve. Alors. Au début c'était les États-Unis, mais depuis que Trump est élu là, mais bon après ça reste quand même les États-Unis ou Hawaï. 13. Type vestimentaire. Alors quand j'étais plus jeune, j'aimais bien m'habiller comme un mec, genre en mode short surf et débardeur ou t-shirt de mec quoi. C'est un mec, c'est pas une fille. Numéro 14. Je préfère le soleil
ou la pluie. Donc moi je dis 50-50 parce que le soleil quand il fait chaud tu veux de la pluie, et la pluie quand il fait quand il pleut très fort ici, parce que nous on n'a pas de neige, hein, on n'a pas de neige. Quand il pleut très fort ici, tu veux 15. Ma nourriture préférée, c'est le sashimi. Numéro 16, ma boisson préférée, c'est le coca. Avant, j'en étais addict. Et cette addiction m'a causé, bah, me cause encore aujourd'hui un problème. Numéro 17, mon type de musique. Donc moi, ma musique, ce sera plus du type rap, pop et tout. Et les musiques tristes, c'est un truc que j'adore malgré le fait que je ne sois pas triste. Numéro 18, ma musique préférée. J'en ai pas une en particulière, mais j'écoute en boucle depuis un mois. Je vais le mettre là. Sous même les monstres rêvent d'amour. Et pour terminer avec les deux derniers points, ce sont mes réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram, mon Insta est Meriho. Je vais le mettre aussi là. Meriho majuscule. Meriho tiré du bas sur tiré du bas Insta tiré du bas 3. Donc 3 c'est les L en minuscule, mais 3 L en minuscule. Voilà, ne demandez pas où j'ai eu ça, c'est de la merde. Et du coup, pour terminer, numéro 20, mon TikTok, parce que oui, je viens de TikTok. Peut-être qu'il y en a qui... Putain, mais t'es sérieuse, TikTok et tout. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi TikTok, j'adore. Si j'ai pas ça dans mon téléphone. Voilà. Si j'ai pas ça dans mon téléphone, je suis comme ça. Non, mais TikTok, en fait, j'adore. C'est mon application préférée. Là, au moment, je crois que j'ai 21 600 abonnés. Donc, je les remercie tous autant qu'ils sont. C'est énorme. C'était tout. J'espère ne pas avoir été trop chiante dans cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais quand. Parce que bah, je pense que je vais faire une fois par semaine. Vu le fait que bah, je travaille, donc je n'ai pas le temps. Enfin, on verra bien comment les choses vont évoluer. Mais à part ça, si vous avez des questions ou si vous avez un sujet particulier de vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et je ferai si c'est possible. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, dislike. Hein, y a le pouce rouge aussi en dessous, c'est comme tu veux. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications dès que je sors une vidéo. Voilà. Donc, comme on dit à Tahiti, bye bye.